Chandelle et bougie. Si les deux mots se confondent aujourd'hui dans le langage courant, il n'en était rien avant l'invention de l'électricité. Utiliser la chandelle ou la bougie était d'abord signe de distinction sociale. Comme le raconte Georges Guggenheim dans son ouvrage Les mots français dans l'histoire et dans la vie, la candela, en latin la chandelle, faite de graisse animale, faite de suif, était réservée aux populations pauvres, les riches ne s'éclairant qu'avec le céréus, le cierge fabriqué avec de la cire d'abeille. Le cierge, un mot un peu savant venu du latin, mais qui n'est pas resté longtemps dans le vocabulaire courant, puisqu'il a été récupéré par le clergé qui en a réservé l'usage aux églises pour honorer les saints. Du coup, il a fallu trouver un autre terme et c'est bougie qui s'est imposée. Bougie, ancien nom de la ville algérienne de Béjaïa, qui produisait de la cire d'abeille de très bonne qualité. On a donc commencé à parler de chandelle de bougie avant que par antonomase, comme disent les érudits, l'objet ne devienne le nom de la ville et que cette chandelle fabriquée à bougie ne devienne la bougie elle-même. Alors, la principale différence entre les deux, c'est évidemment l'odeur ou le parfum qui provient de la combustion. Quand la bougie sent bon la cire d'abeille, la chandelle, elle, produit une odeur âcre et désagréable. Qui plus est, elle brûle avec une petite fumée noire due à la mèche qu'il fallait moucher régulièrement, qu'il fallait nettoyer régulièrement. Et, anecdote qui en dit long, on raconte que dans le théâtre classique, la longueur des « Les actes d'une pièce étaient déterminés par le temps qu'il fallait à une chandelle pour brûler sans avoir besoin d'être mouché pour que les spectateurs ne soient pas incommodés pendant la pièce. »